Salut tout le monde, c'est quoi? On se retrouve aujourd'hui sur Pro Soccer Manager pour le mode carrière avec la Team Arkham Pro. Alors là donc, sur le circuit de la Sarthe, Kreuziger a gagné le chrono et il est passé leader de l'épreuve, donc je suis content. Une belle victoire du coup pour Kreuziger. Pour Kreuziger, mais je mélange tout, mais ça commence bien. On peut pas casser par nom. Ah si, d'accord. Okay. Voilà, Kreuziger, première victoire de la saison pour lui. Kreuziger, alors j'ai fait le bilan la dernière fois, hein, mais bon. Ouais, Kreuziger, vous voyez, voilà. Celui de la Sarthe, hop là, étape 3. Sinon, il n'avait rien fait. Il n'a que 3 jours de course, hein, donc ça rentrait pour lui sur ce tour de la Sarthe. Bref, nous sommes sinon à la 3e étape du tour du Pays Basque avec Joaquin Rodriguez en leader. Donc, c'est parti tout de suite. On se retrouve. Attendez, hop. On va aller voir juste la forme. Voilà, donc forme 2, ça monte. Bien, excellent. Bon, parfait, tout le monde est bien. À part Kazelowski en fraîcheur en moyenne. Trofimov, c'est normal. La Goutine, c'est normal. Bref, on se retrouve tout de suite pour le départ de cette 3e étape. Et nous voici donc au départ de cette 3e étape du Pays Basque. Vous le voyez, Vuelta al País Vasco. Escalerico, Irzula. Alors bien sûr, ma prononciation est mauvaise, je ne parle pas le basque. Désolé si pour nos amis basques, s'ils nous écoutent. Ah oui, si j'enlevais la pause, ce serait pas être mal. Hein. Donc là, bah, Trofimov va partir, encore une fois. Trofimov pourrait chercher les maillots plein de points. Et pourquoi pas aller remporter cette étape. Hein. 164 km au programme. Allez les gars, on y va. Voilà, c'est parti, la Goutine, avec Edvald Boasson, juste derrière. Rodriguez avec son maillot jaune, et ça part déjà devant. Ah, ça, c'est pas bon. Allez, mais passez, allez, oh, bien, Maïchka. Alors du coup, moi, je vais rouler vite fait, hein, pas non plus très fort, mais je vais rouler un petit peu, histoire de pas prendre trop de retard. Car je veux absolument... pouvoir marquer des points avec Youri Trofimov. Attaquant solitaire en tête du peloton. Bon, je vais attendre un peu, ça sert à rien que Trofimov sorte maintenant. Taramae, hop. Alors, j'ai cru voir Moser meilleur jeune. Deuxième meilleur jeune, c'est qui le meilleur jeune? Ça va être peut-être... Maïchka, non? Inou Maïchka. Ah non, il est sixième seulement. Et donc, le premier palier fatidique vient d'être franchi par l'échappée. La barre de la minute donc, rouler aussi, vient toi. Effectivement maintenant d'être dépassée. Voilà. On va rouler. Écoutez, hein. J'ai dit que... Enfin, c'est prévu que je roule de toute façon, mais là, je vais rouler. Parce que je vais absolument marquer des points avec Youri Trofimov. Donc, on va accélérer. Quand tu vas reculer un peu. Rodriguez recule un petit peu. Trofimov recule un petit peu. Non mais c'est bon Rodriguez. Non mais c'est bon. C'est Yuri que je demande de reculer un petit peu aussi. La Cannondale de toute façon roule aussi donc il n'y a pas de souci. Oulala, en fait on va même nous s'arrêter carrément de rouler parce que là toute la Cannondale en entier roule. Hein. Ah non en fait il roule plus. Ok super. Ils sont tous mis devant pour ne pas ça rouler. Revient. Pourquoi ça pas revient. Le peloton est en train de revenir. Allez les gars, on roule. Je suis avec vous. Regardez-moi ça comme il est étiré. Hein. Changement de rythme. Avec Damarki, Bodnar. Ah oui, là cette fois-ci, eh ben, on a décidé de mettre en marche. On a décidé d'embrayer. Et la poursuite, donc. Après, vous voyez que c'est une grosse descente. Hein, donc, enfin, c'est des descentes, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est aussi pour ça que je ne m'inquiète pas de rouler maintenant. On va m'accélérer un tout petit peu là parce que ça va pas assez vite, je trouve. Voilà, hop. Youri est bien placé, c'est cool. Juste derrière le train. Ah, c'est des beaux trains là, entre la Team Arkham et la Cannondale. C'est beau. Ah, il reste encore 18 km avant le... les points de la montagne, donc ça va le faire.
nous là on roule assez fort, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Luis Leon Sanchez qui attaque. J'espère que la Canada roule aussi fort que moi. Allez les gars, on revient sur eux, s'il vous plaît, plus rapidement que ça. Bon, ils roulent pas fort, vous voyez, quand je suis au curseur, je passe largement devant eux, donc hop. Il me faut perdre du temps même. Il reste plus qu'une minute, je vais bientôt attaquer moi. Là, dans la petite bosse, je vais attaquer que Yuri Trofimov. Voilà. Non, excusez-moi, je regarde en même temps les, jeux, les championnats du monde. Avec Intsimbayeva! Non. La et Russie au pouvoir, en tout cas, en là, c'est, la, c'est sur la perche. Vous le voyez, hein. Le champion de France 2005. Et, eh bien, allez. Vasini n'est manifestement pas d'accord de laisser aller comme ça, sans lui, il réagit maintenant. Donc, c'est Bayeva, j'espère qu'elle va... Allez. Voilà, c'est encore un saut pour l'américaine, je crois. Ça serait beau que Inti Bayeva passe. Bref, allez, moi je vais attaquer avec Trofimov. S'il se fait pas bloquer, il se fait pas bloquer, c'est parfait. Et on attaque. Un coureur tente sa chance en solitaire. Ils sont 7 devant, enfin 8 même. Non, 7. Je dis que des bêtises quand même. Allez. Il reste 2,6 km. C'est pas sûr que je puisse les rattraper là, mais bon, moi je rattraperai pour les prochains points. Allez, on va attaquer. Histoire de se remettre bien là avec eux. Voilà. Je prendrai pas de points, mais c'est pas grave, au moins je suis revenu sur le groupe. C'est le principal. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve là maintenant pour le deuxième catégorie. A tout de suite. On se retrouve à 44 km de l'arrivée. Et vous le voyez devant, Wiggins, Caruso, Andy Schleck, Zubeldia sont attaqués. Mais bon là, nous, on va pas laisser faire ça. Personne ne laisse faire. Il y a les Canandal qui roulent, les Garmin qui roulent aussi, les BMC. Rodriguez qui est un petit peu plus loin par contre, qu'est-ce qu'il fait là? Moreno Moser, pourquoi il roule Moreno Moser en fait? Non, on roule pas toi. Moreno au final, Moreno il peut faire voyez, quelque chose, il y a du changement, 69 wallons, pourquoi peloton. Pas. C'est terminé hein, le peloton. Rodriguez qui se repasse tranquillement. Qui roulait, mais là on peut pas laisser partir. On peut non, pas laisser non, partir, c'est terminé tout ça. Wiggins et. Un déchet comme ça. Impossible. Alors, en tout cas, essayer d'aller rechercher l'échappée. C'est ce qu'on a dû dire dans les oreilles. Donc, on doit rouler. La poursuite est donc lancée maintenant. Et ben voilà, c'est officiel. 110 de peloton. La poursuite est lancée. Regardez comme ça casse déjà en bas de l'image. D'ailleurs, ça, ce là, personne les... ne prend les relais. Ah, c'est des coups relâchés. Toi, tu restes là. Hein. Tu restes ici. D'ailleurs, Velitz, tu vas protéger Mother. Moreno Moser. Ouais, il est affaibli là, vous voyez. Trofimov tranquille à 37 points devant. Qui va s'arrêter de rouler maintenant, qui va attendre Rodriguez. On est parti à 4. Ok. Eh ben écoutez, c'est beau. Ok, bah écoutez, on est parti à... Bon, après, ça, peut-être on va revenir, bien entendu, hein, y a pas de problème, mais bon. Allez, c'est parti. Sur nous, faut qu'on roule, hein, encore une fois. Hein. Devant, il y a beaucoup de monde, donc là, il faut qu'on roule absolument très fort. D'ailleurs, même Moser, enfin, tout le monde va rouler, au final. Sauf, bien sûr, Joaquin. Trofimov qui va rester avec eux, enfin il va essayer en tout cas. Ça va être dur. Voilà, hop. Allez les gars, faut revenir là. Il reste plus que 27 km.
Et c'est difficile, vous voyez, à cette allure, on peut quasiment plus remonter. M'inquiète pas trop pour Rodriguez, hein, et puis devant, donc, Kiki, exactement. 50 km/h, c'est vraiment difficile de remonter. Wiggins, 49e, tout monte à 0 seconde, donc c'est pour ça que ça peut être dangereux quand même. Il n'y a plus que 24 km. On n'arrive pas à revenir. Ils sont toujours à 1 minute devant. Je pense que je vais devoir faire un petit effort avec Rodriguez dans l'avant-dernière petite côte, comme vous voyez ici où il y a le grimpeur. La Cannondale qui roule, mais ils ont roulé toute l'étape hein, pour revenir sur l'échappée. Allez. Ah, devant, ça s'arrête de rouler a priori, apparemment. Et ben, Trofimov, il aime. Oh non, non, il a aucune chance avec face, eh bien, au, face aux Wiggins, face à tout, toute la clique là. Vu c'est... deux trois coureurs qui sont redescendus voir leur directeur sportif, ils ont dû se faire engueuler, c'est pas possible autrement. Alors, Rodriguez, là, qui va faire. Dire que ça suffisait maintenant de rouler avec hein. Les doigts de pied en éventail et des rondelles de citron entre chaque doigt de pied, que maintenant il fallait quand enfin, même effort, non, mais essayer de réagir de... concernant l'échappée. Ah, voilà. Pour rouler quoi. C'est donc fait, on augmente Caruso sensiblement l'allure et la poursuite est donc lancée. Et voilà, Rodriguez qui passe. Et donc voilà. Et Rodriguez qui ouvre en là, encore 15 km alors, 15 petits allez, kilomètres va marquer les points, 15 longs kilomètres. Ah, on va essayer en tout cas. Ça, ça dépend évidemment d'où on se situe dans la course au moment de franchir le panneau. Il y en a effectivement quelques-uns qui vont avoir l'impression que la ligne d'arrivée ne se rapproche pas assez vite. On va rester avec Trofimov. Derrière, il y a Moreno, Bazan, Sorensen, Quintana, Sanchez. Pas tout le monde est là. Hein. Allez, c'est fini pour devant, il y a donc Wiggins et Caruso de la Katusha. La ligne d'arrivée qui semble désormais de plus en plus que proche. 10 km. D'entrer dans les 10 derniers kilomètres. Et Izembayeva est championne du monde du sol à perche. Magnifique. Je suis heureux. Championne du monde chez elle en Russie. Et voici le regroupement voilà, général. Voilà, on a repris les échappées. Sous vos yeux également, mesdames et messieurs. Alors, abandon d'un coureur. Et allez, Rodriguez qui attaque. Radio Tour me l'annonce. Précise, Radio Tour précise en plus qu'il ne repart. On voit qu'il Rodriguez attaque devant Happy Pita Winning, Cunego, Van Andert et Cadet Evans. Et d'ailleurs, ça, que, là, il y a juste des heures qui vont rouler. Et puis, une fois dans la voiture balayée, il va dire ah non, finalement. Mais là, Rodriguez. Je vais continuer la course quand même. Comme. Allez quoi. Cadel Evans. Il y a des moments, moi je et derrière, voilà. Pozzo Vivo. Fait l'effort. Alejandro Valverde. Moi je me pose des reste plus que 5 km. Déjà 5 km d'arrivée. Plus que 5 km. Et ça attaque la Cadel Evans. Oh là là. Oh là là. Pozzo Vivo. Cadel Evans qui vient de partir. Ah mais Cadel Evans un petit peu tôt. Nibali qui est là. Betancourt. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde là dans ce petit groupe. Ah, notamment Nibali bien sûr. Allez Rodriguez qui accélère. Oh là là, attention, Froome qui prendra les noms. Valverde. Cadel Evans qui est toujours devant. Rodriguez qui attaque. Le sprint est lancé. Et là ça va être la victoire de Joaquin Rodriguez. À moins que derrière ça revienne Sanchez. Attention. Non. C'est vraiment pas évident. Ça ne reviendra pas. Rodriguez victorieux devant Cadel Evans, Sanchez. Betancourt, Valverde, Mollema, Nibali et Chris Froome complète le top 10. Daniel Moreno, la Katusha bien joué. Et Alberto Contador, 10e seulement. Eh ben écoutez, belle victoire. Plus vite que l'allure des coureurs, très belle victoire de Joaquin Rodriguez. Hein. La pente est raide. Deuxième victoire sur ce tour du Pays Basque. Il conforte son maillot jaune car je pense normalement qu'il y a quelques écarts. Petite dizaine de secondes quoi. Ben, entre la victoire de Joaquin et le titre de championne du monde de Izembayeva, c'est magnifique. Voilà, ben, écoutez, on va attendre. Voici que la course maintenant finisse. Merci. Les meilleurs moments de la course que nous bien vous joué, Joaquin avec son beau maillot jaune. Vous voyez quand même quelques secondes là, ouais, c'est sûr. Ouais. On va le savoir tout de suite de toute façon. Attention. 10-15 secondes. 23 secondes d'avance, parfait ça.
Avec deux abandons, Maxime Gliski et Pim Lighthart, là cette année avec un soleil. Et ben 23 secondes d'avance sur Valverde, Mollema, Betancourt, Nibali, Froome et Sanchez. Bien joué. Classement de la montagne, bien sûr, Youri Trofimov, leader. Par points, bien entendu, c'est Roy qui nous en dégage avec deux victoires d'étape sur 3. C'est tout à fait logique. Chez les jeunes, c'est Betancourt. Nous, 7e et 8e avec Moser et Majka. Et par équipe, 6e seulement, par contre. Voilà. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on se retrouve pour le... C'est quoi comme étape? Ah, c'est une belle étape, celle-là, quand même. Belle étape de Vallon. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On fera, par contre, le... 4e, 5e, on fera toutes les étapes, je crois. Donc, ça fera une très, très longue vidéo. Mais on va achever ce tour du Pays Basque pour passer au classique, pour passer après au Giro. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci à vous de me suivre. Merci à vous de nous suivre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !